بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الله الله يجازيك. فيق وفيق. Je vais te le dire en dialecte. فيق. Un autre dialecte. أوعى. أحيا. نوض نوض. Un autre dialecte. Allez, نوض نوض نوض. قوم قوم. Avec un autre dialecte. قوم قوم. Allez. S'il te plaît, allez, muslim, muslim, nous sommes des musulmans. Nous devons être fiers d'être musulmans. Fais le bon, Allah subhanahu wa ta'ala. Compare-toi à ceux qui sont inférieurs à toi et dis alhamdoulilah. Ne regarde pas ceux que tu prends pour des gens supérieurs alors qu'ils ne sont pas supérieurs. Regarde le pauvre, regarde l'orphelin, regarde le malade, regarde, regarde. Et dis alhamdoulilah. Quand tu as les angines, une goutte de salive ne peut pas passer. Une seule goutte de salive ne peut pas passer. Tu peux souffrir totalement parce qu'il y a une goutte de salive qui, parce que les angines sont irritées. La respiration, tu ne te rends même pas compte de la complexité derrière. Et tu respires, respires, voilà, sans même te rendre compte, sans même réfléchir de tous ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te lamentes. Et tu te lamentes, mon frère, ma soeur. Le moindre petit boubou, c'est la fin du monde et c'est bon. Dépression, suicide, malheur, haine, violence avec la famille. Oh là 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 là. Oh. Sabre, l'endurance et surtout, alhamd, alhamdulillah. Toutes les formes de l'hamd sont excellentes. Dis alhamdulillah. Cherche la manière avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait alhamdulillah. Dis alhamdulillah. Alhamdulillah. S'il te plaît. S'il te plaît, barakallahu fik. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, mais je commence à faire salat wa sallam, moi je suis heureux. Non, mieux, le musulman évolue toujours. Allahumma j'al yawmana khaira min amsina wa ghadana khaira min yawmina. Regarde le dua. Allahumma j'al yawmana wa sallam nous apprend le dua. Oh Allah, fais en sorte que notre journée soit meilleure qu'hier et notre lendemain soit meilleur qu'aujourd'hui. L'excellence, l'évolution, l'ihsan, l'évolution vers l'ihsan. Le muslim toujours essaye d'évoluer. Chaque journée doit être meilleure qu'hier. Son lendemain doit être meilleur qu'aujourd'hui. Lisez, lisez sur ce type de choses. L'évolution en constante amélioration. Le muslim s'améliore. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. On vient maintenant. Ah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. C'est un dua qu'on fait quand on parfois on veut prendre la parole, de temps en temps je le dis, c'est pas obligatoire de le dire à chaque fois que tu prends la parole, une khutba à la base d'une khutba, un petit serment par exemple, il faut commencer par alhamd, dire toujours salat wa salam al habib Muhammad. Essayer dans la mesure du possible, essayer vraiment au moins dire un verset du Coran. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun. C'est ce verset autour de taqwa ou d'autres, même dire, essayer de toujours alimenter ce que tu dis par le Coran et la sunna dans la mesure du possible. Dua, le temps de temps, essayez de faire dua aussi, c'est bien dans un petit serment. Qu'Allah vous donne le paradis. Qu'Allah vous guide et me guide et nous donne le paradis. Qu'Allah apaise nos cœurs. Amin, amin. Allahumma ardina wa arda anna. Allahumma aqbalna wa taqabbal minna. Allahumma inna faruna ilayka. Faqbalna wa taqabbal minna. Allahumma inna waqifuna bibabik. Fala tatrudna an janabik. Ya Rabbi. قبلنا وتقبل منا اللهم ارحمنا اللهم يا رب اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, ça c'est très bien de commencer la parole avec ça. Engagement de paix, de miséricorde, toutes choses bien. Ça propage l'amour comme nous a dit Mohammed sallam et c'est aussi la salutation des gens du paradis. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, beaucoup beaucoup de valeurs communes. Et toutes mes vidéos s'adressent à vous. Aucune ne s'adresse qu'aux arabes ou qu'aux musulmans. Elles s'adressent, toutes mes vidéos, à tout le monde. Ouverture totale d'esprit, de cœur et flexibilité, souplesse intellectuelle. Claire, respect total pour Claire. C'est pas parce qu'elle échange en ce moment avec moi, elle m'envoie des mails. Ou c'est pas parce qu'elle me dit de temps en temps que je suis ouvert d'esprit. Ou, c'est pas ça. Ça, c'est le musulman clair. Moi, je n'ai rien inventé.
Ça, c'est ce que l'islam apprend à tous les musulmans. Nous essayons juste de mettre en place l'islam. Donc elle me dit, Claire, qu'Allah guide Claire, qu'Allah apaise le cœur de Claire. Bonsoir. Vos vidéos réponses m'ont beaucoup touché. Je ne m'attendais pas à ça. Donc j'ai fait deux vidéos. Une qui s'appelle Claire, il est musulman qui ne mange pas le porc. Bien ça. Claire nous a bien résumé. Nous sommes des musulmans qui ne mangent pas le porc. Oh, je ne mange pas de porc. C'est bien. Et la deuxième, le judaïsme, le christianisme et l'islam, deux vidéos réponses à Claire. Et j'essaierai, Inch'Allah, à chaque fois de prendre la richesse de ses écrits parce qu'elle résume bien la pensée de l'autre sur les musulmans ou l'islam. Ce n'est pas une pensée médiatisée, médiatique, malheureuse. C'est une pensée vraiment qui vient du cœur. Et sachez que la grande majorité de ceux avec qui vous vivez, les Français, les Belges, les Hollandais, tous ces gens-là, ont des réflexions comme ça. Ils ont été poussés à bout à cause des manipulations médiatiques et à cause de nos mauvais comportements. Et ils pensent, eux, que c'est l'islam qui nous dit ça, parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Donc ils pensent que c'est l'islam qui nous demande d'être comme ça avec eux, alors que ce n'est pas le cas. Donc elle me dit, vous m'avez éclairé un peu plus, et c'est fou, mais ce soir, en rentrant chez moi, je n'avais plus peur. J'ai toujours eu beaucoup de peine pour ces jeunes perdus qui traînent en bas de chez moi le soir et qui font des conneries, car ils n'ont rien d'autre à faire. J'habite dans une cité et il est vrai que les conditions sont assez difficiles. Leur haine peut être compréhensible, mais le musulman ne doit pas agir comme ça. Il doit se servir de Dieu pour le guider. La ilaha illallah. Regarde comment Claire nous dit, nous réveille, nous rappelle comment on doit être le musulman. Elle sait au fond d'elle, elle qui a une lueur de guider dans son cœur. Parce qu'elle est née musulmane, comme tous les humains sur Terre, comme toute la création humaine et djinn, yuladu nu Adam ala al-fitra. Et Allah nous donne le choix. On est sur le fitra, la condition primaire. On est musulman, on est soumis à Allah. Mais l'évolution, les parents, l'entourage font de nous malheureusement, écrivent sur la page blanche initiale beaucoup de choses mauvaises, malheureuses. Et après, en fonction de nous, de notre choix, Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Donc regarde comment Claire, jaza Allahu al-hidayata, qu'Allah la récompense, l'a guidée. Regarde comment elle nous résume. Elle nous dit, elle, c'est pas comme ça que le musulman doit être. Elle qui a vécu dans les médias, elle qui a entendu des choses, regarde son ouverture d'esprit, qui nous donne à nous des exemples de comportement. Parce que nous, entre nous, on s'entretue. Entre nous, musulmans, on se méprise. On se méprise. On se hait. On se juge. Et regarde la non-musulmane, comment elle nous dit. Comment elle nous dit que le musulman doit être. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Qu'Allah nous guide. J'aimerais, et elle te dit qu'il doit se servir de Dieu pour le guider. La ilaha illallah. Même si la formulation plus ou moins, on peut la dire autrement, mais tout finalement, subhanallah, vient de Dieu. On se sert de notre amour de Dieu. On se rappelle de notre amour de Dieu à Dieu. On se rappelle de notre soumission à Dieu pour régir notre vie, pour être bon, pour être juste, pour être humble, pour être respectueux, pour essayer d'atteindre et de tendre vers l'excellence et vers les bons comportements. J'aimerais, donc elle dit qu'on monte plus souvent des gens comme vous, des gens vrais, des gens simples, des gens profonds. Ça manque tellement dans ce monde. Je n'ai aucun mérite dans cette histoire. Et croyez-moi que ce n'est pas de la fausse modestie. Wallahi la ilaha illahu. Ça, c'est le comportement que doit avoir le musulman qui a à peine eu quelques connaissances en islam et qui a à peine lu un livre de 100 pages sur la sirah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, ce n'est pas moi qui a inventé ça. Ça, c'est l'islam qui nous montre ça et qui nous éduque et qui nous élève. Claire, approche l'islam, oublie un peu les musulmans parce qu'ils sont très loin à cause de pas mal de choses, mais ils vont plus. Quand ils continuent à se lamenter, ils doivent se réveiller. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Allahumma hdi Claire, wahdina wahdibina wa j'arna sabal liman itada.